Bonjour, bonsoir la famille. Dépendamment de qui côté et à qui les waptande et garder émission ça, nous comptons entrer la caillou yon l'autre fois pour nous capable porter une autre vidéo information pour vous. En dans émission ça, nous pral partager plusieurs informations qui fait tomber jodi en tout chaud. Ben abdou information yo en pile pour raison ça rale ti chez ou croiser puis pour nous capable bon plus causer. Qui ça bagaille là yé? Eh bien discours Edgar Leblanc qui en pile moun tap di ke ki tap gagné en pile conséquence sous pays et sous immigrants kap vivent et dehors pays a et bien n'ap di ou nous commencer wè conséquence là. Nan moment que n'a parlé à là Jean que Luis Abinadel te kon fè yon paquet moun sanctionné yo même Jean avec Izoti l'appli pour moun sa pa mette pied dans pays yo et bien c'est comme ça Emmanuel Macron qui c'est président la France là et bien lui même lui déjà prend position là à cause gros tonton discours ça Edgar Leblanc te fait qui pas en faveur la France et bien yo déjà passé l'ordre pour Edgar Leblanc pas mettre pied la France mais il y a pile processus qu'a fait là pour Edgar Leblanc capable entrer la France parce que il était déjà gagné yon invitation pour te entrer la France pour te aller participer dans yon réunion comme ça et bien yo déjà sanctionné Edgar Leblanc pour pas mettre pied la France. Nous pas le temps de plus causer et nous pas le temps de qui ça bagaille là yé en dans émission ça. Et bien pour qui ça nèg yo sanctionné Edgar Leblanc c'est parce que il fait un gros fréquent pour moun sa yo. Ça veut dire Edgar Leblanc yon ti haïtien que sot kote l soti l'ap vin mande la France payer Haïti dette que li te doué. Mes amis, et Haïti ça si nous pas caléger nous et si nous paye sanction, si nous paye moun sa yo, si, eh bien moun sa yo pa jam zanmi nou vre. Yo nan peyi an nou de temps en temps y a visité policier nou yo, y a marché, y a fait yo pa jam zanmi nou. Pour qui raison Edgar Leblanc nik mande ko blanc et bien ça grand en monter plim sous do nèg sa yo jusqu'à ce que nèg aussi yo joine pour touyer Edgar Leblanc là y a touyer parce que son fréquent son dérespectant pour Edgar Leblanc et bien vinn monter dans tribune et nan gros bagay sa kap fèt le monde entier ap tande Edgar Leblanc et bien pour Edgar li même répétons parole comme ça pour ap vinn mande la France payer Haïti kob. Et les ap gade yo même gros tonton pays ça pour ap gade un petit Haïti comme ça un petit Haïti qui pas même et moun yo pas même ka prend soin tête yo tout moun nan pays ça censé pauvre malheureux pour yo wè et bien son Haïti comme ça yo doué quelle honte mes amis bagala en pile pour Edgar Leblanc nous pas konnen qui Jean Edgar Leblanc a géré ça. Est-ce que Edgar Leblanc lui-même avec parti là nous connaît qui soutient dans OPL est-ce que nèg yo a mettre graine pour gérer ça nous pas connaît mais celle ça n'a pas dou information a tombé Edgar Leblanc pas capable mettre pile la France nan moment qui n'a parlé et nous tendez c'est pas seulement Edgar Leblanc yo fait ça. C'est chaque monde qui tentait mandé comme ça et eh bien yo sorti pour yo manger moun ça. Mais pays ya oui mais Haïti hein et bien Haïti ça nous prend blanche ça yo nous prend moun jevet sa pou zanmi nou nèg noir ça yo rete là a travay pou blanc yo rete a fè soufflant chou fè makak pou blanc et yo kite blanc a passe au lord nou gen pays nou même parler simplement ba au problème nous gen pays nous pa ka même gratter tête nous si nous besoin gratter tête nous là c'est blanc qui pou di nous mais qui jan pou nous couper cheve nous mais qui jan pou nous marcher. L'école dans pays nous pas qu'a fait en créole, nous tant de la France pas d'accord. L'école dans pays nous éducation nous fait en créole, c'est en français pour le fait. Là jusqu'il est nous-mêmes et nèg sa yo qui dit yo pote tête yo dit OK, yo pose candidat pour moun voter yo et il a changé ça et puis pas jamais qu'a changer. Jusqu'il est n'a gagné yon desaline, jusqu'il est n'a gagné yon monde qui pour garder moun sa au danger. En tous les cas, n'a quitté information ça là pour nous entrer dans un autre dossier. Eh bien frère Maxemio, information pour zami k'ap vive dans pays Saint-Domingue. Mes amis, et bagay yo chauffé. Eh bien immigration an di Luis Abinadel a toute équipe li hein, nous connaît li changer et moun ki té nan tête immigration hein, eh bien parce que moun ça et to wok té nan tête immigration hein,
Luis Abinadel trouve, mais c'est pas fait action, yo, gens qui pour yo fait là, mais c'est pas fait travail là bien, et tant pour monsieur déporter, c'est tout yé, gen pile zak qui fait sous monsieur là, moun, et nous t'en des agents immigration à pousser, haïtien se tomber en bas, râler les âmes tout yé haïtien, et bien, Luis Abinadel qui révoqué, tout ça, il remplacé le par un autre. Eh bien, yon nouveau loi qui sorti là, sous do haïtien kap viv ou bien ki ta remen viv l'autre bois. Si toutefois ou tap viv Saint-Domingue, yo te déporté déjà non nan système nan. Premier bagay yo pral commencer bay visa yo la, yo pral commencer et bay haïtien visa encore, nous connaît bay ça qui te campé quelque temps. Eh bien, depuis non te an dans système nan, de pou faire demande, yo pa accepter visa la demande, yo pa accepter demande ouan, eh bien y a bon refi. L'autre baga encore, si toutefois et ou c'est moun qui te fait yon bagay Saint-Domingue, eh bien ou pa karite nan peyi a, yo pral mette et comment yo di m'blie Jean ke yo te di ça, mais yo pral mette et la police a cherche ou comme bandi parce que ou te font bagay ki pa bon ou bien et si toutefois ou depuis entrée illégal yo ken beau ou pa rentrer dans pays encore, c'est ça yo dit. Bon, nous pas connait qui gens moun ki Saint-Domingue yo pral senti yo là dans moment là et le ou fin tant des informations ça. Si toutefois ou tap vive tout yo te déporté même si te gen résidence là, et bien ou pral renouveler tout petit carte là depuis ou te déporté ou et bien non te sous système là, yo fait connait yo pas renouveler carte ça pour bagay yo en pile pour haïtien k ap vive Saint-Domingue. Nous pas connait et qui ça nèg yo ap vin avè, mais nous tande nèg yo ap font ti camper avec dossier et ramasser moun nan pour capable gérer système yo pi fiable pour capable et bien couper et privilège yo te bay haïtien k'ap rentre dans pays parce que yo di ay et comment dame sa rele madame di puis attaquer yo pas oublier madame di puis k'ap mande yo là et pour capable gérer question manger a mais manger yo pas bien préparé pour gérer dossier ça pour madame nan parce que haïtien pas bête et bien yo trouver ça son dérespectant et bien y a ba nous travail pour nous faire et yo fait connait si yo besoin taper, c'est yo même qui ka taper nous. Ça veut dire a fait madame dit puis a ba yo limite a dit mais ça pour faire, c'est yo même qui ka fait ça. Mes amis bagay yo en pile. N'a quitté information ça pour nous prendre une autre information côté que nous tendé yo mette mandat derrière Guy Philippe et à nos jours pas gain moun qui connaît pour qui raison nèg yo mette mandat derrière Guy Philippe. Nous t'étendé tout silence Guy Philippe te fait a, et bien c'est parce que nèg yo tendé Guy Philippe trop et yo fait connait et y a mette plus dossier sous do Guy Philippe parce que Guy Philippe c'est un gros menace lié et nous tendé yo mette Guy Philippe parmi moun qui bay Ariel coup d'état. C'est Guy Philippe qui t'est campé derrière bagay ça et nous connaît Ariel Henry c'est chouchou américain, c'est chouchou blanc jevet. Et bien yo dit que c'est Guy Philippe qui t'est campé derrière et bagay ça et qui fait Ariel Henry pas dans pays là, c'est Guy Philippe. Et bien yo fait connait yo t'a supposé arrêter Guy Philippe mette et bien et yon côté parce que Guy Philippe qui il c'est une menace pour système ça. Guy Philippe yo pas fait Guy Philippe confiance et chaque temps yo pas tande Guy Philippe et yo pas connaît ça la régler. Nèg yo prend Guy Philippe pour bandi, yo mette Guy Philippe et yon paquet de côté, yo pas ta doué mette Guy Philippe et yo fait connait c'est Guy Philippe même qui voyait Ariel Henry, c'est Guy Philippe qui t'est fait mais c'est vivant sans mieux a tiré matin midi et soir. Et bien c'est Guy Philippe et qui retourné mette nèg ça ou dans pays a fait des ordres et yo fait qu'on est faut qu'il arrête Guy Philippe. Nous hier nan dit nan interview que Guy Philippe t'a bay nan matin débat nan micro vérité li té dit ça que nèg yo té mette mandat d'yel, mais cette fois-ci nous tendez nèg yo a mette plus mandat. Nous pas connait est-ce que c'est équipe Gary Konya, est-ce que c'est équipe Edgar Leblanc, nous pas connait, mais n'abdou oui nèg yo a cherché Guy Philippe. Nous parle que tout tendez plus détail dans émission ça. N'a dit ou c'est une belle émission qui gagne pile parole qui parle là-dedans que nous pas gain temps expliquer ou nous inviter raler ti chez ou croiser pour capable d'en plus détail. N'a dit ou même qui pour abonner pour trop tard pour faire ça. Ou chercher petit bouton rouge qui en bas vidéo avec marqué s'abonner ou bien subscribe pour capable abonner pour capable rester connecté en temps de plus détail. Bon. Effectivement vrai Lionel et bon qui doit avancer avec dossier ça parce que l'autre information pour bail
de ça pour aller là Léonel entre Next CPT bon qui va avancer à de Léonel côté la France a interdit nous va parler et comme président et conseil là après discours là Léonel. Eh bien, nous voilà, Edimi et Odoris Chanel, Mouna Fébon TV, le président du CPT, à l'occurrence de Galé Blanc, qui lui-même s'est supposé rendre dans le sommet francophonie dans le pays de la France, pour lequel il a une invitation déjà. Eh bien, Galé Blanc s'est supposé rendre dans le pays de la France, pour lequel il a quatre participations dans le francophonie, le 6 octobre, qui a venu là, eh bien, Galé Blanc s'est vu refuser. Emmanuel Macron, eh bien là, censé là, eh bien, entrer là en gros opposition avec une éventuelle présence des Galé Blancs sur le territoire français. Nous connaissons après et les Galé Blancs même, ils ont fait une déclaration ça, très, très controversée, très contre-carré Donald Trump, très contre-carré président français, n'a pas aidé Emmanuel Macron, eh bien, moi, on n'a pas aidé là, c'est une grande adversité là qui déjà déclenché entre et Galé Blanc, soi-disant le président haïtien et Emmanuel Macron, qui est président français actuellement là, eh bien là, il y a une adversité là qui déjà attiré en pile, qui déjà fait jaillir en pile langue, et dans l'opinion nationale et internationale, et bien, Jimmy, nous capable de dire là, et Galé Blanc, qui lui-même n'a pas capable d'aller dans le pays de la France, et lui obligé de rester la Kaili, eh bien, qu'on y a là, est-ce qu'on a tout saisi l'opportunité ça pour que nous menions bataille là, sans visibilité d'une sur le plan juridique et de façon officieuse, pour que nous avons tout obtenu, et ça que nous voulons acquitter, et rançon, je t'ai fait, et bien nous avons dit, Jean-Pierre Bois était bas en 1825, et qui c'est une dette injuste, c'est un corps qui était pris de façon injuste, et bien Barreza qui déclenche là une grosse bataille, une grosse balle en pile, et Galé Blanc, lui-même là, et Emmanuel Macron refusé, il n'y a pas de cas dans le pays de la France, et bien c'est ça, et information lui-même liée, pour le moment, n'a pas les là, et près d'elle, et bien qui ça a fait, et c'est qui sont posées. Voilà, mais en tout cas nous-mêmes personnellement et je pense que ça pouvait dimension et président France là, je dis à là nous connaît que même plusieurs monde pas de Jean ouais Macron de bon œil mais je dis à là le confirmer, se montrer que il est pas à la hauteur de soi-disant pays la France parce que techniquement mesdames messieurs, vous voulez dire bon, de toute façon ça pas fait nous ni chaud ni fret et question que yo interdit Edgar Leblanc pour le rentrer en France parce que j'en nous dit je dis à là des pour parler dans intérêt pays d'Haïti, pour parler dans affaires pays, depuis le bon pour pays, il y a bloqué visa. Nous t'ai parlé de ça. Depuis le bon pour pays, il y a menacé. Je dis à là, c'est meilleur moment pour nous-mêmes, pour nous solider envers peuple haïtien et puis pour nous solider envers Edgar Le Blanc. Ça pas veut dire que ou c'est fanatique ou pas. Je dis à la pas ouais c'est Edgar Le Blanc que on interdit rentrer là. Faut qu'ou est-ce que c'est nous-mêmes haïtiens le fait qu'il n'a revendiqué et droit nous et bien yo t'a voulu bloquer nous. Donc on pense que nous comprenons bagaille yo, nous comprenons géant. Je dis à Jean nous dit on ne veut camper, on continuer réclamer encore plus haut, plus fort. D'être indépendant ça faut que la France remette l'île. C'est une raison de plus qui fait que j'en nous te dit là, je t'ai peut-être Guy Philippe qui dit là, eh bien qu'on y a là on nous aller au plus haut niveau pour nous faire remettre d'être ça. En tout cas, moi me féliciter ça, le fait que peuple haïtien Jules commence à ouvrir. Je dis à la loi et la France pour pas dire président Macron fâché comme ça, c'est parce que ça pique elle. Ça a piqué, c'est tout le monde qui a dit, faut que la France remette comme là, ça a dérangé. Eh bien nous-mêmes, on était solidaires envers Haïti. Oui, monsieur. Et Pablo Salomon, et ça que nous t'ai déjà annoncé, eh bien, pendant que nous avons pas capable de prendre là, pendant que nous avons Galé Blanc, et tout le monde a été rose pour lui, eh bien, à partir des déclarations, dans pile pays ennemi, dans pile conseil là, qui est capable de faire seul avec la France, qui est capable de faire seul à prendre l'argent, et non, c'est des conseils en France, non, c'est des criminels en France. Et bien, pour capable de comploter là pour les chalbarrer des Galé Blanc, pas bien, j'ai te faire ici de là, il est possible. Donc, mes amis, 20 ou 20 en bas, et Galé Blanc, comme ça, le mandé, il ose le mandé, parce que là, c'est une bataille. Pour tout haïtien, et nous-mêmes, il faut que nous accompagnions, même si Galé Blanc, bon président qui est constitutionnel, mais ça, c'est une cause haïtienne, il faut que nous campions d'elle. Et comme ça, cette fois-ci, faut que nous jeunions, même si c'est parce que Galé Blanc, comme la tactique, vous avez rejoint l'État haïtien. Mais quand même, c'est un bon début, quand même, son bon recommencement. L'homme du recommencement va bien, a essayé de commencer. Et bien, ensuite, qui ça va aboutir? Est-ce que finalement, la France va vous mettre nos copes? Nous, et Bradel Salomon. Monsieur, il faut nous aller plus loin. Salomon, il faut nous aller plus loin. Il faut que nous disions que je dis à la, nous, publiquement, pas oublier, nous te disons, 2024, là, son année, il y a eu des bagailles qui étaient qu'on a fait en cachette.
qu'on a fait publiquement, n'après nouvelle publiquement. Eh bien, si nous voyons que bon côté président Macron publiquement lui osé interdire Galé Blanc pour l'entrée la Kaili, Salomon ou t'es parlé de ça, nous t'es parlé de ça, pas étonné que mesdames messieurs, yo va créer insécurité comme nous tant de gain militaire FADH qui supposé aller prendre formation en France, pas saisi ouais que yo t'a bloqué ça. Pas saisi ouais que même la France ça commence à créer instabilité en Haïti à faire ingérence davantage dans dossier pays là. Ça veut dire que politiciens que nous gain là yo moi souhaite que monsieur Nava prenne conscience, Nava quitte et reste avec pour nous prendre destin nous-mêmes, pour ne pas quitter que ce soit la France ni Canada, États-Unis, à fouer bouchot dans dossier pays d'Haïti. Jean-Guy Philippe te dit, eh bien, n'a prend Edgar Leblanc par les mots afin que pour nous avancer. Et je me gagne de là en Afghanistan et gagne, nous sommes le ministre de l'Éducation, n'a parlé de Nesmariga. Ouais, et il n'a pas. Il n'y a pas de lancer du mille. L'idée pour là, il n'y a pas de la force de Haïti. Tenez bien, mes amis. Et vous avez tout partagé là avec nous. Ça fait l'éducation nous pas fait en créole. Et mais c'est la force qui a fait en quoi jusqu'à présent. Il n'y a pas d'accord du mille. Nous avons un système éducatif qui fait en créole. Ça, va nous dire bonne source que Nesmi Maniga, eh bien, qui était annoncé ça avec un journaliste, eh bien, côté l'idée. Il n'y a plus de problème qui était proposé pendant quelques minutes. C'est la France du monde qui parle d'éducation faite en créole. Tenez bien. Deuxièmement, nous avons parlé de ça. Nous avons dit, pas étonné de nous, jusqu'à venir là, nous parlons comment la France va être fâchée avec Edgar Leblanc. Et par rapport à le discours, et lorsqu'on dit qu'on a dit, mais c'est pas là qu'on fait, c'est et non plus des Nations Unies, qu'on est plusieurs pays, environ 200 pays. Là, tout mon attendu. Et l'entendre ou parler de l'indépendance, ça veut dire qu'il faut rappeler, et même qu'on croit que vous êtes prêt pour Haïti, vous êtes fait, vous êtes cassé pour Haïti. C'est pas que les États-Unis cassé pour les États-Unis, Haïti, mais la France, tout est cassé pour nous tous. Avec le vol et le braquage, soit un ex-CPTO, c'est fait avec le directeur BNC. Allez, il y a un problème, monsieur. Mais on a dit, bon, l'autre aspect pour nous garder, dans la bataille qui est entre la France avec Haïti, ou bien entre Haïti avec la France. Gagne les États-Unis, le plus souvent, je dis, l'OTAN est que bon problème qui est entre deux pays, et bien, Haïti, c'est un pays le plus souvent qui est toujours passé, et bien, ils ont utilisé parfois pour contrer la France. En 2003, nous allons songer, lorsque nous avons un bouche-louvrie entre la France et les États-Unis, côté, on va venir reconcilier sur Aristide, dans la question de COP 21 milliards de dollars. Et on va le là encore, je dis, par rapport avec Macron récemment, les mêmes choses qu'on fréquente, c'était là, l'Allemagne appuie avec la Chine, et pourquoi pas appuyer que la Russie, mais monsieur, il n'y a pas joué avec tout. Et bien, nous, et là, avec facilité, et bien, il y a une bénédiction, il y a un parti groupe dans l'international là. Et bien, côté, les va pas bien, nous-mêmes, là, quand pas nous, et depuis, nous avons appuyé, mais nous très fort. Ouais, les Blancs, ils passent pour la France. Mais la France, c'est même, voir côté passe, et bien, quand on réplique Kébaï, et bien, ils interdisent, et bien, les Blancs, pour ta passe de nos sommets, pour comprendre. Là encore, Jimmy, ouais, quand même, en début de tout ça, quand on dit, et bien, les Blancs marquent un point. Mais pendant les Blancs marquent un point, Jimmy, lorsqu'ils ont fait analyse, on nous trouve la visée. Marquent un point, un, niveau pour nous-mêmes, Haïtiens, ça permet nous capables et tout. Mouton commission, Jean-Guy Philippe Dian, et en commission pour nous faire comment, pour nous demander l'argent, mais deux, pour nous pas quitter notre pays tout, il y a même tout qu'à utiliser nos humains, et puis demain, et puis, par exemple, là, même pense que, et pour nous continuer la bataille là, même Jean, je me dis, nous avons demandé justice pour Jovenel Moïse, mais tout, pour nous capables toujours demander comme ça pour la force que maintenant. Mais là, encore dit, pendant qu'on a parlé de ça, la caille par nous, et où est-ce que vous voulez interdire et garder blanc parler hein? Bon, les gars, on va dire le soir où on a la carte finie, on a un discours, voilà le supplier blanc, voilà le tête à terre, parce que j'ai entendu c'était là, en 2004, il a dit la France par lui à Haïti. Et puis fini. Et puis, on s'entendait à tout, il a entendu qu'il était, il a entendu qu'il était, il a entendu le pouvoir à tout, il a dit la France par lui à Haïti. Ouais, là, on va dire, moi, je pense que, bataille ça, nous-mêmes,
Voilà, monsieur, on nous fait un petit rappel. On nous juste fait un petit rappel pour vous, mesdames, messieurs. N'importe quoi, c'est pas simplement et président haïtien qui fait demande ça, mais beaucoup de pays Colombie également. A simplement fait un petit rappel ça pour. Il y a un monde qui bien travaille avec ça. Alors, c'est avant-hier, son bien le chef. Et le monde qui travaille avec ça, bien travaille avec ça. Ce que d'être là, bien monté. Mais Texas est développé des bagages qui tellement intéressent les populations sur le plan politique, sur le plan historique, que font question qui vient dans la faute. Dans le texte, personne ne va voir ça. La question politique qui traite dans le texte, d'ailleurs, 2 jours après, nous avons vu que ça a camouflé. Parce que les Blinken passé ici. Monsieur Mandé, il dit qu'il va le faire transférer la mission multinationale là, en mission d'après. Ça qui est politiquement, c'est visiblement impossible. Malheureusement, sénateur Leblanc a reprendre ça devant l'Assemblée. Et 2 jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça qu'il a passé 2 ans à essayer de faire avec Ariel, il n'est pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait, l'idée une option dans une mission multinationale sous compte des États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant qu'on est totalement anachronique, bagaille vient empirer. Ils essaient de faire des déploiements, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnaître encore pas comme financier ou bien ils n'ont pas de financer. Donc c'était maladroit que Haïti lui-même t'a demandé un bagaille. Que le patron a obtenu des résultats. Discours, ben, discours, par exemple, ou pas en même temps sur le plan historique, ou pour réclamer, ou pour reprocher la France, saleté fort de la colonisation, d'être que rien, et puis qu'on y a 5 membres du Conseil de sécurité, ou vraiment de même la France là, pour approuver une mission qui pouvait venir là. Il était politiquement illogique. Donc, l'air prend, comme le BAI s'entendait, Haïtien, ça y est, les calégés dans le plan, ils sont contents. Et puis, ils n'ont pas fond discours, une requête publique, une demande publique qui fait un discours. 2 jours après, ils ont jeté une requête là. Est-ce que nous sommes capables de parler d'incohérence en bâtiment? C'est justement, c'est incohérence. Alors, comment vous, comme vous avez dit, qui est intéressant. Par exemple, monsieur pose un problème raciste pour les États-Unis, qui effectivement, Trump a fait une campagne électorale là. L'obtenir de bail, c'est ça, les arguments de surface. C'est sortir à remettre. Sortir à remettre à une retirée logique pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est qu'il demandait pour transformer mission multinationale là en force. De l'ONU en force et de la paix, ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait 2 jours après. Ok. Est-ce que vous-même, vous avez, alors, déjà, pas avant ça, là, vous avez parlé de transformation mission multinationale là, en mission onusienne, c'est qui approche par rapport à votre question? C'est une blague. Depuis les Blinken, des blagues là-bas. Les Américains n'ont aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui étaient gourmands pour te faire mission avant ça. Parce que justement, ils ont une difficulté pour te faire passer comme une mission de l'ONU. Ils ont même fait une déployer. Les mêmes qui disent la finance là, alors nous connaissons une amati. Blinken n'a menti. Parce que c'est. Ils n'ont pas voulu dépenser l'argent, les Américains n'ont pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est les mêmes qui disent reconnaître que
li pas de cap bene mission de la paix, l'a mette mission en lui-même et l'a financé. C'est après ça, Alvinoué, chaque fois, il y a devant le congrès n'a pas voulu accepter Baïkop. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer. Par exemple, le congrès n'a pas d'accord avec le conseil de COP qui a voulu en Ukraine, mais il y a eu des milliards quand même pour voir en Ukraine. Donc, si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc, les choses qui sont en train de raconter là, malheureusement, mon en Haïti pas gain assez de recul ou bien trop impliqué ou bien totalement désespéré, il répéter ça blanc de lui, mais depuis le Blinken de Vinti l'a dit ça n'a pas fait. Pas grand cas pour passer dans l'une comme de fait, il pas passé. Alors colonel, il a prolongé, il a accepté que mission ça qui là, il va pas retirer le quitter là. C'est l'homme même qui s'en capable battre nous avec rien du tout. OK. Et depuis plusieurs jours et faute là, c'est pas bon côté étranger, non? Okay. C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Conil qui a vu le chef de guerre, non, bah, il n'y a pas de métier. C'est pas profession ça. Et puis il a essayé de faire des bagailles. Mais plus, ça fait vieux politique qui occupait de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que le monde qui l'a réuni, Gary Conil et CPTA, vous voulez préoccuper de l'affaire sécurité, non? Dans tête, il y a qui c'est blanc qui est venu. Là, il y a dégagé, oh, il n'y a pas de problème. Nous avons venu sur la question de Gary Conil depuis plusieurs jours. Alors, depuis avant le voyage président conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis, pour aller participer dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies, fait qu'on a gagné un malaise entre CPTA avec l'équipe gouvernementale, l'équipe PM Gary Conil. Gagné un porte-parole primature là, qui. Qui est intervenu, qui dit jusqu'à présent, il n'y a aucun malaise. Je ne peux pas mentir, comment vous comprenez ça? Est-ce que c'est le constat, pas il y a un malaise, vrai? Mais bah, ce n'est pas tripoté, je ne vois pas qu'il y a un malaise correct. Ou on bille le monde fou, et même l'équipe, il y a même qualité de tête que des équipes de Ariel. Et qui voit que Gary Conil est un petit peu son ambitieux, il voulait, il a un grand pouvoir absolu. Et puis, le bon pile, mon fou, grave encourager, le même, il y a un petit maître là, avec un petit monsieur qui a passé tout au niveau, et t'as encouragé Ariel, faire comprendre que pas bien bicéphale, et il y a qu'à faire élection quand même, depuis, ben, il y a un petit poste dans CPT, et il y a fini, il y a élargi HCT, et il y a chose. Tout bon pile, mon, comme ça, qui a encouragé au monde qui chef, dans la bêtise. Parce que, ouais, c'est ça, chef, là, t'as rien, mec. Donc, Gary Conil a une maladie chef, et absolue. Donc, tout le monde a fait, ce n'est pas tripotage, c'est manœuvre. Il se met en tête, il a jeté Negro, ou bien il a neutralisé Negro, et puis lui-même, il vient de mon papa chef, comme François Duvalier. C'est pas un petit monde. Premièrement, M. Patrick a eu une condition pour être nommé le Premier ministre. Tout Negro a nommé le Premier ministre. Donc, il pensait le grand pied sous le et puis Kounia l'a fait une série de manœuvres déloyales. Parce que quoi faire une manœuvre politique en Haïti, c'est pas grave. Mais qu'on va le mettre en bagaille pour une initiative devant la scène mondiale. À le mettre un président sans difficulté, ou non, c'est pas une délégation, c'est deux délégations. De Haïti, monde. Parce que là, il y a une fête pour le connaître que ça n'a pas marché. Mais tellement qu'on est que lui. Il méprisait Negro, il méprisait les Negro dans le CPT d'abord. Surtout, j'ai eu tout tes votes pour l'IA. Donc, il connaît que le patron Negro dans la tête. Bon, puis, il y a un imbécile qui est bon côté, qui est délinquant, qui est bon côté, qui a pas courage dans ça. Fait un acte trivial au niveau international. Et puis, quand il y a un, il y a un petit grand coup de timon, il y a un faute. Non, ça a été quoi? Il a fait bail là. Ben, là, il y a des répercussions. Les États-Unis écrit, sénateur Leblanc, dit qu'il y a une délégation déjà. Là, il n'y a pas de sécurité pour des délégations. Donc, c'est quand vous avez écrit l'État, c'est fou ou c'est fou. C'est menti ou t'as pas. Donc, les gars, ils font pas de timon. Et que moins de. Parce qu'un délinquant, c'est qui ça lit. C'est un monde qui connaît un bail pas ça. Les poser à la quand même contre la loi. Donc, ils font délit. Donc, c'est ça, ils font.
Et puis, vous venez mettre des pays à nos problèmes qui n'est pas nécessaire. Alors, parler de délégation, gagne un diplomate Pierre-Antoine Louis, qui le même fait qu'on est, là, il y a une activité ça, dans les Nations Unies. C'est le président directement qui a contacté. Et c'est le président qui le même connaît qui est là pour déplacer, qui est capable dans la délégation. Ça veut dire pas qu'il y a gagné deux délégations. Et c'est là le problème qui vient poser. Les PM n'ont dit lui-même qu'il est en tête une délégation. Alors que le président a délégation, il a publié non monde. Même non monde, il a aimé. Même non monde, il n'a pas de certitude qu'il a vu un visa pour lui, il a publié. Il n'a rien à faire ça. Alors, il y a des gens qui parlent de coups d'État classiques. Est-ce que non, c'est pas coup d'État. Ça, c'est stupidité. Stupidité, bah, il y a des gens qui ont une maladie chef. Mais dans eux, fait quoi? Pourquoi fin passer? C'est les Américains qui sont dénoncés, monsieur. Ok. Parce que c'est le département d'État qui a écrit. Parce que vous connaissez ça, monsieur Verva. L'air écrit le blanc. Je dis, le pape qui a assuré la sécurité, parce que bon délégation d'État. C'est dénoncer ça qu'on y a fait. Parce que vous-même, vous connaissez normes, vous connaissez les règles. Vous voyez, monsieur Fonbaya normal. Vous-même, vous ne voulez pas mettre tête dans un conflit diplomatique. Vous avertit le sénateur Leblanc que vous avez une délégation qui a fait la sécurité déjà. Vous n'avez pas fait une autre délégation de sécurité. Et automatiquement, vous réduisez cette situation. Et quand il vient pour un poste, c'est un point où on est grave, il dit, non, je vais me taper. C'est pas pour tout le monde. Et vraie délégation, c'est d'aller faire déclaration sur ça. Il dit non, c'est le sénateur Leblanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'est pas là que j'ai posé. Il y a peut-être qu'il fait des actions, oui. Et intervenant dit ça. Son bail diplomatique, lié, son bail qui relève de la présidence. Point. Alors, sans ministre, son bail responsable, hein? Ministre, son soldat, lui, il recevra l'ordre de mon lit là pour l'obéir. Tout bail est connu, ministre. C'est ministre. Ministre font faute, parce que ministre son ordre illégal. Connu par un droit en tant que premier ministre, fait délégation. Maintenant, le ministre te recevra l'ordre, il fait pour aviser la présidence, mettre l'instruction à le recevoir, qui ça pour le faire? Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant, ce n'est pas ministre. C'est Gary Gondi. Non, il est anormal. Gary Gondi fait voter nous, mon premier ministre, pendant l'autre bois, l'Elvini, il va même être en masse par ici. Justement, et Voltaire, tu fais une déclaration, je cite, il dit que des têtes vont tomber. Et après qu'elle est sortie. Et d'après l'information que nous avons, il y a un conseil président de la Téchita. Pour être capable de poser des questions à l'Université Voltaire, pour être capable de dire qui raison, qui cause cette petite défaite dans l'Assemblée générale de l'ONU. Et d'après l'information qui recueille, monsieur a eu deux choix. Ce soir, il a révoqué Mme Dupuy, et, qui est ministre des Affaires étrangères, ou du moins, comme il y a un dossier qu'on a là, tout le monde a fait un lobby pour Edgar Leblanc fils, il a décidé par rapport avec le rapport ULCC à proposition de pour faire Edgar Leblanc continuer. Comme le président a eu pendant 6 mois encore en place, qui était supposé en place le 7 octobre. Qui sont passés de demain ça? Écoutez, si vous avez révoqué Mme Dupuy, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Mme Dupuy, c'est un acte de lâcheté. Parce que Mme Dupuy n'a pas levé pour continuer pour la faire pour celle-là. C'est pour nous faire des autres là. Si vous avez gagné, c'est quoi vous avez dans la présidence tout bon? Débat, il n'a pas fait pour te nani, après le Chita vient poser des questions, il était tout simplement nommé un autre premier ministre. Donc, pour y résoudre, il n'a pas besoin de révoquer madame. C'est le premier ministre qui fait bail. Là, il nous montre l'autre premier ministre, et dès que nous montre l'autre premier ministre, le gouvernement est tombé. Et qu'on y a après le reformuler le gouvernement, j'ai oublié. Et c'est quand je m'attendais que mon cap dit, et CPTA, et celle bas ou pas, oui, non, avec une présidence dans n'importe qui pays. D'ailleurs, pas besoin de faire une cérémonie pour révoquer qu'on ils sont arrêtés, ils ont publié. Et puis, pour tout sortir dans l'affaire, ils ont été arrêtés, il faut tout ministre venir rentrer là-dedans. Ils sont arrêtés. Arrêtés nomination pour le ministre sont actes présidentiels liés. Moi-même, comme citoyen, comme politique, comme responsable d'un parti politique, et comme analyste, si vous avez révoqué
Madame Dominique Dupuy, pour bagaille ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le Premier ministre, c'est pour ne pas révoquer personne. Ça ne veut pas dire que ça se dit assez vrai. Vous avez dit que le PM Garekoni pense que lui soutient tout le monde. Si vous n'avez pas révoqué Garekoni, il y a un petit poussé. Ça veut dire que Garekoni est au-dessus du conseil là? Non, mais c'est une illusion. Un Premier ministre, un monde qui nomme pas un arrêté présidentiel. Depuis que vous avez arrêté présidentiel, vous avez demandé l'autre Premier ministre. Afin que vous avez un chef de site et vous avez un blanc à Bio, nous pas songer à Ariel Henry. Je ne vous dis pas que Ariel Henry a tombé quand même. C'est des bagages qui sont là. Si, bon, pas qu'il y a un CPT à lui-même, il continue à exister. Parce que une faiblesse CPT à tout, c'est que vous commencez à violer les règles dès la première fois que vous rentrez en action. Premier règle violé, il y a l'accepté principe, faire une résolution pour changer méthode pour prendre une décision. Il a défini prendre une décision, c'est 7 yoyés, on a une majorité de 4 personnes qui prennent une décision, c'est ce qui était écrit dans l'accord. Il y a une résolution qui prend une disposition qui est contraire à l'accord. Ensuite, il prend un autre élément de résolution. Il dit que la décision est faite par une majorité qualifiée. Or, résolution ça, il successive, il après accord, il modifie accord. Or, CPT n'a pas de capacité pour le modifier accord parce que accord sont documents qui signent entre les parties prenantes. Donc, c'est parce que vous mettez tête dans ces bagages irréguliers au départ qui fait venir tomber dans l'autre bagage irrégulier. À qui ça n'a pas tenu le 7 octobre? C'est président Stournet. Est-ce que vous prenez l'autre résolution pour changer le principe ça? Non. Donc, nous venons tomber dans des autres. Depuis le bail a monté avec 9, mon homme dit nous, ça n'a pas jamais marché. Donc, quand il n'y a pas de règles. Donc, chaque matin, on est capable de mettre des règles. Parce que vous dites, premièrement, pour une décision prendre, il faut que c'est 5. Bon, je dis, yo pa jamais cap prendre décision parce que yo pa jamais cap joindre 5 moun parce que 3 monsieur qu'en affaire yo normalement pas supposé faire a décider dans majorité mais qu'il y a ces raisons ça même qui pousser yo avec réflexion ça est-ce que il est pas d'ab bon pour monsieur Gart a continuer madali étant donné que 3 alors une conseiller qui t'a dû et remplacer dans mois octobre ça là li impliqué dans scandale corruption BNCA. Eh mais c'est ça Mabdou. C'est pour bah, ça n'a parlé là, c'est ça relé en français. Yo relé ça ce sont des éléments qui conséquence et ont des ordres initial. Bah n'a parlé là, ce sont des épiphénomènes. C'est bon phénomène yo. C'est bagaille yo mettre 9 moun a diriger, c'est li problème non. Donc, il y a tout faux problème, des problèmes apparents. Par exemple, problème Koni a déplacé en vain. Ça n'a pas dû arriver, puisque Koni n'a pas dit qu'il a déplacé en cachette. Koni son récidiviste, il a fait ça déjà. Au point où il est venu, il a été blâmé. Peut-être qu'il était parti pour contre lui, il a fait une délégation de parti, la règle a fait l'État haïtien. C'est à 3h du matin, la visée de Negro, il a parti le même jour. L'Elvini au Blamil. Il refait ça encore. C'est pour les qu'on était fin faire délégation, l'Elriva et au port. Il n'y a pas de parti. Et puis, les salles tapent tourner, viennent demander à mon gars diriger le pays. Oui, même tap parti, il dit pas de parti, ça passe. Donc, c'est quand on dit mon mal élevé. Et puis, qu'on y a fait un fait la carrière en public, et puis, mon est tombé vers l'obéi. Donc, tout problème, non, c'est Jean CPT à monter. Règle de base, il y a crasé. Et puis Koni qui s'en est rentré, puis il a profité de deux zones là. Ouais, combien de temps est passé? 4 mois. Il a pris l'affaire pouvoir personnel pour résoudre un demi-problème de la population. Les gens qui étaient chassés, qui étaient caillots, qui dans l'école, tout dans l'école, il n'y a pas de solution. Si les gens qui rentrer dans l'école, il pas qu'à rentrer dans l'école, il n'y a pas de solution. Matisse est toujours fermé, Canada est toujours fermé. Il n'y a pas de route pour résoudre le problème qui concerne les populations. Il y a passé 3 mois pour être et puis chef passer l'autre. Pas étonné, c'est pour femme. Non, Haïti n'est pas les amours dans rien, oui. Surtout quand il s'agit de filles, hein. Faut ne pas écarter ça également.
Voilà. Eh bien, on nous avance. Et monsieur Napral qui était dossier ça quelques secondes, j'ai nous dit son dossier qui a à peine arrivé, je pense que nous avons plus de détails sur ça exactement. Qui s'est passé étant donné ça a à peine arrivé. Monsieur, on nous rentre en France parce que ça a vraiment touché nous. Une fois depuis, on a dit pour le peuple haïtien, mettez ego nous de côté, mettez différence nous de côté, on nous campe pour le pays. Et par rapport à la décision Emmanuel Macron, décision l'achat que monsieur prend à l'égard de Edgar Leblanc, on a dit monsieur, c'est pour nous commencer à prendre, mettre grand monde sur nous, pour nous fermer l'ambassade de France. Là. On est là, nous, Salomon, pour info pour nous. Voilà, exactement, nous attendons. Oui, monsieur, nous attendons. Oui, Lionel. Eh bien, nous elle a dit, eh bien, grosse nouvelle qui est relative à rapport avec Emmanuel Macron, qui lui-même l'a fermé porte sous Edgar Leblanc. Eh bien, c'est un éventuel conflit là qui déclenche entre la France, pourquoi pas un pays d'Haïti, par rapport avec dirigeant français qui c'est Emmanuel Macron, par rapport avec actuel, soi-disant dirigeant pays d'Haïti, chef d'État, qui c'est Edgar Leblanc, qui lui-même est supposé rendre dans le sommet pays francophonie, dans le pays de la France, eh bien, le 6 octobre, qui a venu là, eh bien, immédiatement après déclaration fracassante, Edgar Leblanc s'est fait sous tribune des Nations Unies, eh bien, ça qui va le pousser, le président Emmanuel Macron lui-même, lui fâché, lui estomaqué, et puis, lui estimé, eh bien, Edgar Leblanc pas supposé parler comme ça, eh bien, nous, là, et soudainement, et Emmanuel Macron fait mes portes sous Edgar Leblanc. Pour que tout le monde n'a pas été là, Edgar Leblanc n'a pas supposé revenir dans le pays de la France. C'est comme si nous avons dit, en bonne expression, Emmanuel Macron déclaré Edgar Leblanc persona non grata dans le pays de la France. Il n'a pas supposé mettre pied. Mais nous connaissons cause des gens, c'est pour l'argent que le pays de la France doit nous, forte somme d'argent qui a été bas en 1825 pour en parlant de dette d'indépendance, que tout le monde connaît déjà, et si on se met de manière injuste, qui a demandé à tout prix pour remettre le pays d'Haïti l'argent ça. Mais pour moi, on n'a pas été là, dossier ça, il fait toile de fond, en pile d'en couler sur le plan national et international, plusieurs médias internationaux qui ont parlé de ça, et puis il y a un président africain, plusieurs dirigeants pays africains qui ont parlé de ça, et bien Edgar Leblanc qui a été fait vibrer, tribune des Nations Unies, et bien qu'on est là, qu'on est que le pays d'Haïti, nous capable de dire non, historique une nouvelle fois, face à la France, puis remettre l'argent. Edgar Leblanc, est-ce que nous sommes gagnants? Est-ce que le pays d'Haïti est gagnant? Est-ce que le président apprécie pas nous comme nous? Est-ce que le cabinet d'avocats, Jean-Guy Mandela, qui a engagé de manière juridique pour remettre l'argent? Eh bien, nous croyons que si Edgar Leblanc refuse de ne pas aller dans le pays de la France, de ce chez certains, il n'a pas pitié. Donc, nous croyons que ça va pour déboucher sur une éventuelle altercation, une crise diplomatique entre Haïti avec la France, mais nous-mêmes, beaucoup de par nous, nous habitués à faire déjà, et pour nous obtenir l'argent, nous, et nous croyons que Salomon, dossier ça, qui n'a pas parlé de ça, pour qu'on y ait, et d'aller bien lui-même, pas qu'à aller dans le pays de la France, et d'après, eh bien, décision, Emmanuel Macron lui-même, ni point. Et Lionel Goumba, là, ils ont pas oublié le discours, Emmanuel, ils ont dit, hein, discours, et bien le CPA, c'est tout fait en Afrique. Lorsque nous croyons en plus fait en Afrique, et la France doit yo même trouver des indépendances et que la France s'est cassée mais yo mais laisse ça là on rêver conscience en termes de pays en Afrique et mais là encore les tout monter Emmanuel Macron mais comment t'as dit tout et Lionel par rapport avec ça moi t'as montré que nous je dis là ça va passer là et pour nous prendre avantage là c'est qu'italien nous demander comme là nous monter commission. On a discuté avec et la France, s'il pas voulait, non, mettez pas la côté, nous mettez là. Mais pas oublier, gagner les États-Unis avec la France, parfois l'Argentine et si tu as parfois on compte utiliser Haïti dans le jeu de programme. Ça. Nous sommes justement là, c'est un conflit là entre Haïti, entre les États-Unis avec et la France. Et où est le premier bagage à faire? C'est comme d'être indépendant. Et là encore, nous-mêmes, tout, pendant que, et pas que nous ne sommes pas du monde, pour arriver, pour que vous acceptez, et pas manipuler, non, pour que vous acceptez et faire concession. Et si vous faites concession, parfois, vous ne pouvez pas arriver pour coton. Et en dépit de tout ça, même les, après, nous avons dit, sans toi, nous te faisons, c'est vrai. Mais là, je tiens là, par rapport à ce monde-là, et là, soit pour bataille, ou obligé d'être allié avec vous. Et des alliés, pendant alliés à promoter,
non, on va capter l'intérêt, ou même pour négocier. Faut qu'on ait des gens qui vont négocier. Pendant qu'on a parlé de la France, comme là, pendant que lui-même avec les États-Unis, il a un petit bout de trouvé entre eux-mêmes, nous-mêmes avons tout profité de ce là, je ne sais pas si là, nous avons de justice, un, pour préserver Moïse, deux, pour nous demander réparation, comme et dette indépendance, soit nous vivons jeune Haïti. Maintenant, pour nous très prudents dans ce sens, maintenant, la France, nous connaissons là, qui tout mentait, pas question, pendant toute semaine là, comme indépendance haïtienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis à mon nom, c'est-à-dire tout qu'on a passé avec mon nom, il y a parlé, il y a questionné, et tout ça. Et nous souviens, qui s'active M. Aristide en 2004, hein? En 2004, par rapport avec l'indépendance, nous voyons la France qui était comme en quoi, qui pas voulait aller dans la guerre Irak, là, du mi, qui était comme en quoi contre les États-Unis, mais nous voyons comment va parler des dettes indépendance, qui va obliger à faire alliance avec les États-Unis là, pour un contre-gravage jeté, je vais dire Aristide. Est-ce que je dis encore une fois, la France ne va connaître qui constitue que nous allons faire, ou bien est-ce qu'elle a quitté l'opportunité à aller, et ce soir, nous d'accord, nous faisons une coopération, une vraie coopération avec les États-Unis pour un contre-gravage qui fait comme ça, ou bien tout dit, mais on a parlé de commission, mais commission, l'idoué, ce sont des commissions qui ont un rapport avec d'autres pays pour nous comment nous allons faire ça. C'est une grosse bataille que nous y est. Et par contre, c'est que, discours les blancs, mis son discours de l'Ustine Terre, et puis après, regardez Haïti comme ça, non, parce que là, on peut être un enjeu en zone puissante, en tant que petit pays, mais comme on connaît, le gars, on va vendre les États-Unis là, il y a un coup projet, mais à n'importe quel moment, on fait là, on quitte les limites, tout, mais il y a un tapé. Mais c'est ça qu'on va faire les blancs là, ouais, les blancs, quand quitte les États-Unis pour aller à la France, on dit, regardez mon cher, reste là, mon nom, pas permettre de venir à la caille, mais là, on va prendre ça dans le même. Parce que ou pas respecter grand monde, ou pas respecter le monde. Maintenant, vous dites, c'est un gros pas, et les blancs font, voir côté parle, et moi, je suis capable de ça. Et là, nous-mêmes, Haïtiens, pour nous supporter, parce que ça, pour nous, comment, nous camper derrière ça, parce que, ni mettre pas les blancs, ni mettre pas n'importe quoi, non, pour comme ça, nous rejoindre le pays d'Haïti. Là, nous-mêmes, dans la diaspora haïtienne, nous-mêmes, dans Haïti, organisation, yo, on est là pour mes coupons, pour mes petits bandes à d'autres. On nous recommande, on a continué à demander pour vos commissions, et bien là encore pour aller demander l'argent. Même là, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Même en Belgique, dédommager pays Congo, mais ensemble des pays là, qui en Europe du Midi, ont commencé, et le Portugal aussi, qui commence, ouais, commence, il y a dédommagé ensemble des pays qui ont été colonisés. Je veux dire encore une fois, moi, je pense que. Là, la France, eh bien, il y a un gros mot là, c'est pas seulement l'Europe en Afrique, et là, nous faisons la France changer comme ça, Jimmy, pendant que nous-mêmes, nous continuons nous-mêmes à souffrir, là, comme ça, qu'on va bien utile, non, mais nous avons un vrai gouvernement, un vrai président élu, pour qu'on va bénéficier de l'argent, pour continuer à faire le développement de pays, pour faire route à l'autre bas encore, qu'on va aider pays à avancer, et Léonel est voilà, mesdames, messieurs, bon, c'est sûr, c'est un, et je pense que c'est clair. Je vous dis à là, tout le monde voit que nous identifions l'ennemi, nous, et il y a un président avant qu'il y ait assassiné, qui était ouvert les yeux, nous. Qui était ouvert les yeux, nous, qui fait nous comprendre, je vous dis à les ennemis d'Haïti sont nombreux. Et en pile fois, il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas vouloir accepter. Bah, il est clair. Comment tu es capable de comprendre? Gardez niveau Emmanuel Macron. Oui, à cause de, justement, l'effet que, enfin, nous que politiciens nous ta avle rive côté que monsieur réclamé d'être indépendance là, je dis à la qui ça qui action le décide faire ouvertement publiquement, eh bien, li interdit Edgar Leblanc rentrer en France. Nous même ça pas fait nous ni chaud ni fret que interdit Edgar Leblanc rentrer en France pour pas dire un haïtien. Mais c'est simplement faut qu'on ait action qui derrière ça. Raison qui fait que on interdit Edgar Leblanc rentrer en France, c'est uniquement à cause que li osé li mandé pour la France remettre dette là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jodi là nous même comme haïtien c'est pour nous continuer mobiliser, c'est pour nous continuer mettre nous ensemble davantage pour nous exiger la France, les États-Unis également et bien pour yo remettre dette indépendance ça Haïti. Comme bagage qui nous va dire là qui très important. Nous t'ai ouvri porte là et n'a continuer ouvri porte là. Ça veut dire quoi? Vous parlez de ça Salomon. Haïti, nous c'est premier peuple noir qui
qui bat indépendance. Jodi a là, nous c'est nou un peuple là qui mandé pour la France remettre dette indépendance là. Ça veut dire quoi? Nous c'est un premier peuple encore qui pral réveiller l'Afrique, qui pral exiger pour que la France remette comme ça. Ça veut dire, jodi là, en pilote pays africain, pral mandé pour la France remettre comme, eh bien, c'est ça qui fait que jodi a là, Emmanuel Macron en difficulté, monsieur gen problème. Mais je nous dis, monsieur, Jean-Guy Philippe te dit, c'est pour nous prendre et Edgar Leblanc, pas les mots, en façon pour nous faire continuer et pour continuer à demander d'être indépendant. Ça. Parce que là, nous tendons ces interdictions que vous avez pour l'entrée en France, pas étonné que l'autre bagarre qui prend le fait. Pas étonné que même gouvernement français prend créer une sécurité en Haïti. Pas étonné que l'autre bagarre à droite à gauche. Mais l'essentiel, nous même peuple haïtien, en nous camper pour Haïti. En nous camper pour Haïti, parce que les ennemis d'Haïti sont nombreux, nous identifions, je dis à la, laissez différence de côté, en nous faire ça, nous devons faire. Je pense que c'est là que nous camper. Mais bref, Emmanuel Macron, Jean souligne nous à nous camper, c'est pour nous-mêmes tout, faut nous montrer, nous sommes des vrais patriotes, fermez l'ambassade, yo. Ambassade de France, ambassade Canada, ambassade Sao, qui parle là pour et dans l'intérêt pays d'Haïti, c'est pour nous fermer. Oui, frère.